Bonjour et bienvenue dans Prière inspirée. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle série d'émissions. Dieu va se manifester puissamment pendant cette semaine alors que nous allons parler des accès que parfois les croyants ouvrent dans leur vie à Satan. Et bien sûr, Dieu veut nous encourager à fermer ses portes, à fermer ses accès. Et je crois que pendant cette semaine, beaucoup vont être délivrés par la puissance de Dieu. Et dès maintenant, je voudrais vraiment vous encourager. Si vous connaissez quelqu'un qui a un syndrome particulier, un trouble psychologique, psychique, une personne qui a même des tics ou même des tocs, vendredi, donc dans la cinquième émission de cette semaine, je vais prier pour ces personnes et particulièrement pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Alors, je vais vous encourager à être présent vendredi, mais également à partager cette émission qui sera disponible également sur le YouTube de MCI TV. Aujourd'hui, je vais partager sur les déceptions et les traumatismes qui donnent la place à Satan dans les vies. Et partager avec vous d'abord un témoignage de Noémie qui dit que le Seigneur l'a guéri d'une lombalgie qui l'a dérangée depuis déjà plusieurs mois, réduisant sa capacité à s'occuper de sa maison et de ses enfants. Elle dit qu'elle a été également libérée et guérie de règles douloureuses qu'elle avait depuis l'âge de 14 ans, qui est accompagnée de diverses douleurs. Et elle dit que j'ai prié pour les cas de dysménorrhée, donc pendant une émission. Et elle avait fait la prière, mais la douleur était encore là. Elle était triste à la maison en écoutant les témoignages de personnes qui avaient été libérées de ces douleurs. Et alors, dans une émission qu'on a fait dernièrement avec Jean-Luc Traxel, j'étais en train d'évoquer l'émission sur les 150 maladies qui est disponible sur EMCI TV. Et elle dit, lorsque ma période a débuté, j'y pensais à nouveau et je demandais au Seigneur, mais pourquoi moi? Pourquoi tu ne veux pas me guérir? Et le Saint-Esprit m'a convaincu de suivre l'émission sur la guérison des 150 maladies. J'étais au lit à cause des douleurs, je me suis agenouillé, puis j'ai été comme saisi au bas et le bas de mon ventre, puis plus rien, plus de douleurs atroces, Dieu est bon. Et donc en fait, elle a été totalement guérie. Elle nous a écrit 10 jours après, pour nous dire, je vous avais écrit récemment parce que je traversais des moments très difficiles, oppression, stress, etc. Et quelques jours après vous avoir écrit, je me suis mise à suivre plusieurs émissions, prières inspirées, vie de foi. J'ai commencé à prier en esprit et en langue et de façon surnaturelle, ces oppressions qui m'empêchaient de dormir et même parfois qui m'amenaient à perdre connaissance à la maison en étant seule avec mes enfants, eh bien tout cela a disparu. Alors gloire à Dieu et aussi nous partage des difficultés au niveau de sa relation avec son époux. Nous déclarons vraiment la présence du Seigneur Jésus-Christ sur vous, Noémie, que la gloire de Jésus-Christ touche, comme il l'a fait dans votre être, qu'il touche également votre couple et votre famille par la puissance de Dieu. Gloire à Dieu. Dans Éphésiens chapitre 4 et au verset 26, nous lisons « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation, ne donnez pas accès au diable, ne donnez pas accès à Satan. » Ou encore dans 2-3 traductions, « Ne laissez aucune place au diable. » Alors, ce verset est assez court, « Ne donnez pas accès au diable. » Et on va rapidement l'étudier. Alors, « donner », vous connaissez bien sûr ce verbe, mais dans le grec, bon, c'est « donner quelque chose à quelqu'un de son propre accord », c'est « accorder » ou encore « répondre à une demande ». C'est même aussi parfois fournir les choses nécessaires. C'est aussi se donner à quelqu'un de soi-même, le suivre comme un maître, ou encore admettre ou permettre. Et déjà, toutes ces traductions nous parlent, puisque l'apôtre Paul nous dit, inspiré par Dieu, ne donnez pas accès à Satan. Donc, ne donnez pas avec votre accord. N'accordez pas. Ne répondez pas à la demande satanique. En fait, Jésus nous montre que nous sommes le gardien de notre maison. Nous sommes l'homme fort et il nous dit que quelqu'un, il veut venir à l'intérieur de nous et il veut lier l'homme fort pour pouvoir le détruire, pour pouvoir le voler, pour pouvoir lui faire du mal. Nous sommes l'homme fort, le gardien de notre maison et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et le diable essaie par toutes sortes de ruses et de manigances d'entrer dans nos pensées, dans notre cœur si c'est possible, pour détruire notre vie. Jésus-Christ l'a clairement dit dans Jean chapitre 10, il dit « Le voleur ne vient que pour tuer, détruire, égorger. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance.
Je ne sais pas si vous croyez en Dieu ou pas, si vous êtes sauvé ou pas, si vous allez dans une église ou pas, si vous lisez la Bible ou pas, si vous priez ou pas. Mais ce que je sais, c'est que Dieu vous aime et qu'il veut vous libérer et qu'il a envoyé Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, pour porter vos souffrances, pour porter vos maladies, pour porter votre péché. Il veut vous libérer. Et il nous dit dans sa parole, ne donnez pas d'accès. Donc, ne fournissez pas les choses nécessaires à Satan pour qu'il vous attaque. Alors, on peut fournir les choses à Satan. La Bible parle d'une porte, donc un accès. C'est le même mot, donc c'est cette illustration de la porte. Nous sommes et nous avons une porte. La porte de nos cœurs, la porte de nos pensées. Qu'est-ce qu'on pourrait fournir à quelqu'un pour entrer chez nous? C'est une clé. Ou alors un code, peut-être. Eh bien, l'apôtre Paul nous dit, ne fournissez pas ce qui est nécessaire à Satan pour entrer en vous. Donc on peut fournir, la Bible nous montre qu'on peut fournir, on peut donner des choses à Satan qui vont être pour lui comme une clé ou comme un code, comme on utilise pour ouvrir nos téléphones, un code qui va permettre à Satan d'entrer. Donc l'apôtre Paul dit, ne donnez pas accès au diable, mais c'est aussi se donner. Et avec la pensée de se donner à quelqu'un, de devenir son esclave et lui, notre maître. Ne devenez pas l'esclave de Satan. Et ne devenez pas l'esclave d'une pensée satanique, d'une pensée contraire à Dieu. Ne permettez pas, n'admettez pas que Satan ait une quelconque part en vous. Jésus disait, Satan n'a rien en moi et je prie qu'il en soit ainsi dans votre vie, dans le nom de Jésus-Christ. Alors, ne donnez pas, on a vu ce que c'était, ne donnez pas maintenant un accès, une place. Alors, cet accès, c'était donc un lieu limité géographiquement, une portion limitée. C'est également, d'une manière métaphorique, la condition de quelqu'un dans une assemblée. C'est aussi l'opportunité ou l'occasion d'agir. Donc, ne donnez pas, ne permettez pas à Satan, ne donnez pas à Satan la possibilité d'agir, la possibilité de trouver un accès dans un endroit limité, dans l'endroit limité que vous êtes, en fait, corps, âme et esprit. Ne lui permettez pas d'entrer et de tenir un rang, une condition dans votre vie. Ne donnez pas accès à Satan ou au diable. Alors le mot diable ici, c'est le mot, il y a le mot dans la Bible Satan, donc l'adversaire, l'ennemi. Ici c'est le mot diable, le calomniateur, qui est prompt à la calomnie, qui accuse faussement. Donc ne donnez pas la place au calomniateur. Donc ce n'est pas l'idée ici de Satan qu'on connaît, c'est l'adversaire, l'ennemi, mais c'est vraiment ici le diable qui est un calomniateur. C'est pourquoi l'un des accès principaux à Satan dans la vie du croyant, c'est la colère. Puisqu'il est le calomniateur, il va calomnier les autres, il va parler mal des autres. Il va accuser les autres, parfois faussement. Quand il s'agit de l'homme, quand il s'agit de Satan, bien sûr, il accuse faussement les êtres humains. Et il y a plusieurs personnes qui ont vécu des déceptions et des traumatismes qui donnent une place à Satan. On a vu ce qu'était le verset, ne donnez pas accès à Satan. Maintenant, il y a dans la vie de certaines personnes des déceptions qui font que la personne laisse une place, une porte ouverte dans sa vie. Il y a des personnes, par exemple, qui ont prié et qui ont demandé à Dieu de faire quelque chose dans leur vie et qui n'ont pas eu les résultats qu'ils attendaient. Et parce qu'ils n'ont pas eu les résultats qu'ils attendaient, ils ont été déçus. Et cette déception a laissé place à des mensonges sataniques, à des suppositions, à des interprétations, peut-être même à la création de fausses doctrines, de fausses croyances ou le croyant qui a prié s'imagine que peut-être que Dieu n'est pas assez puissant, peut-être que ce n'était pas la volonté de Dieu de faire du bien. Et cette personne, quand elle est déçue, elle peut laisser un accès à Satan. Peut-être c'est vous aujourd'hui et vous êtes déçu, vous avez été déçu parce que vous avez prié pour quelque chose et vous n'avez pas vu cette chose être réalisée. Et cette déception dans votre cœur a laissé une blessure. Et cette blessure en vous fait que vous avez commencé à construire un système de pensée contraire à Dieu. Et aujourd'hui, dans cette déception
qui est devenu une déception profonde, vous avez laissé un accès à Satan. Alors, maintenant, il est important d'être libéré et de pouvoir fermer la porte, de pouvoir fermer cet accès. Peut-être vous avez été déçu parce que vous avez prié pour une guérison. Peut-être vous avez été déçu parce que vous avez prié pour un mariage et vous n'êtes peut-être ni guéri ni marié. Ou l'un ou l'autre, et ça a créé une déception. Peut-être vous avez prié depuis des années pour être marié et vous n'arrivez pas à trouver l'homme ou la femme idéale, ou celle ou celui que Dieu a choisi pour vous. Et cette déception a commencé à laisser un accès parce que quelque part, vous êtes en colère, ou vous êtes frustré, ou vous êtes fâché, ou inconsciemment ou consciemment, vous en voulez à Dieu. Et le fait de s'opposer à Dieu ou de s'opposer ou de faire de Dieu un ennemi ou de s'imaginer que Dieu ne serait pas pour vous, comme c'est contraire à la parole de Dieu, vous avez laissé un accès dans votre vie et dans vos pensées à Satan. Et je crois que beaucoup de personnes n'arrivent pas à obtenir leur guérison. Je crois que beaucoup de personnes n'arrivent pas à rencontrer la personne que Dieu avait prévue pour eux parce qu'ils ont laissé un accès. Je crois que beaucoup de personnes n'arrivent pas à voir leur prière exaucée parce qu'ils ont laissé une grande porte ouverte à Satan. Et quand Satan entre dans la vie d'un homme ou d'une femme, il ne vient pas physiquement, mais il vient avec un esprit. D'abord avec des pensées. Et puis, ces pensées deviennent parfois comme une obsession et deviennent une forteresse. Et cette forteresse, maintenant qu'elle est là, comme une ville ou comme un rempart d'une ville ou comme une maison qu'on construit, elle a besoin d'un habitant. Et au bout d'un moment, il est fort possible qu'un esprit commence à s'attacher à vous, car vous avez laissé un accès. Aujourd'hui, je voudrais vraiment vous encourager, nous allons prier par rapport à ça pour que tout accès soit fermé. Si vous avez été déçu, vous avez vécu une déception, vous avez été déçu parce que la prière n'a pas été répondue, vous avez été déçu quelque part de Dieu. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 49 et au verset 23, Dieu dit, dans un contexte assez particulier, il dit « Tu sauras que je suis l'Éternel et qu'on n'est pas déçu quand on compte sur moi. » Je voudrais vous dire que Dieu ne peut pas vous décevoir. Peut-être votre manque de foi, peut-être une incompréhension, peut-être une ignorance pourrait vous décevoir, mais Dieu ne peut pas vous décevoir. Il vous dit, on n'est pas déçu quand on compte sur moi. Alors il y a ceux qui sont déçus, et il y a ceux également qui ont vécu des traumatismes. Ces traumatismes, ce sont ces chocs dans nos pensées, ce sont parfois même des attaques spirituelles. Par exemple, dans l'Ancien Testament, Élie, qui était un grand prophète de Dieu, il vient d'avoir une grande victoire contre les prophètes de Baal. Et il entend que Jézabel veut le tuer. Il est tout à coup pris d'un traumatisme, une panique violente, forte, qui l'amène à fuir et il commence à s'enfoncer, la Bible dit, dans le désert. Et puis là, Dieu le touche et il va pendant 40 jours, 40 nuits, marcher avec la force que Dieu lui donne pour se cacher à nouveau dans une grotte. Et même dans le désert, il est là et il reçoit à manger d'une manière surnaturelle. Il mange, mais il s'endort à nouveau. Il est dans un état de dépression. Puisque quand on laisse un accès à Satan, on va ouvrir une porte à l'ennemi. Et une fois cette porte ouverte, Élie commence à tomber comme dans une sorte de dépression. Au point où l'onction qui était sur sa vie, Dieu va lui dire, tu vas donner de cette onction maintenant à Élisée, il va te remplacer. Il y a eu un traumatisme, il y a eu quelque chose, il y a eu un déclic. Parfois, il y a des attaques spirituelles, des cauchemars ou des choses qui créent un traumatisme. Je sais qu'il y a plusieurs personnes, vous avez vécu un accident de la route, ou vous avez vu un accident de la route, ou vous avez vu quelqu'un faire quelque chose qui vous a choqué profondément. Ça a été un traumatisme. Plusieurs, vous avez vécu un viol, ou vous avez vu un viol. Où vous avez perdu quelqu'un qui vous était cher. Et ça a créé en vous, dans vos pensées, un traumatisme. Et ça a laissé l'accès à Satan. Certainement, vous n'étiez pas coupable, surtout bien sûr si c'est vous qui avez subi ce genre de choses.
Vous étiez innocent. Et dans cette innocence, le traumatisme a été tel que, vous savez, c'est comme l'image que Dieu m'a donnée, c'est, on peut avoir une porte d'une maison et quelqu'un vient fracasser la porte de la maison avec un outil, peut-être avec une hache, et cette porte, il vient et il la fracasse. La personne qui est à l'intérieur n'a rien fait pour ça. Elle n'est pas coupable. Mais on vient et on fracasse la porte de la maison. Il y a des accès qui sont donnés à Satan parce que Satan est venu fracasser par un viol ou par l'une des choses que j'ai citées plus tôt. Et aujourd'hui, je crois que la puissance du Saint-Esprit est disponible pour vous libérer, premièrement, et pour fermer l'accès à Satan. Il faut que cette chose soit expulsée de vous et que vous en soyez complètement libérés. Que cette guérison vienne dans votre cœur, que si c'est un esprit mauvais, qu'il soit chassé. Peut-être ils sont plusieurs. Peut-être le maître partira premièrement et les autres ensuite, directement. Quel que soit ce dont vous avez besoin d'être libéré, la puissance du Seigneur Jésus-Christ, par son sang, est disponible pour vous libérer. Alors, il y a différents traumatismes. Il y a aussi parfois des gens qui ont subi des manipulations spirituelles. Plusieurs personnes, vous m'écoutez, vous avez subi des manipulations spirituelles par des personnes qui se prétendaient être des ouvriers pour Dieu, être des hommes ou des femmes de Dieu. Et vous avez été manipulé. Et cette manipulation spirituelle a ouvert une porte et un accès. Et aujourd'hui, vous n'avez plus confiance en personne qui parle de Dieu. Vous n'avez plus confiance en l'Église. Vous n'avez plus confiance en aucun pasteur. Pourquoi ? Vous avez laissé un accès à Satan dans vos pensées, dans votre cœur. Dans l'Ancien Testament, il y a l'histoire d'Absalom. Et lui, sa sœur a été violée par un frère. Et il dit à sa sœur, ne prends pas trop la chose à cœur. Il essaie de l'apaiser. Mais la Bible dit qu'à partir de ce jour-là, une haine a commencé à se lever dans son cœur. Parce que ce frère avait déshonoré sa sœur. Et la haine s'est levée dans son cœur au point où cet homme est devenu un meurtrier. Et cet homme s'est soulevé plus tard en rébellion contre son père David. Il s'est passé quelque chose, cette incompréhension. Le fait que sa sœur ait été violée, une haine et une colère est née dans son cœur. Peut-être aujourd'hui, vous m'écoutez, cette même haine est dans votre cœur. Vous avez la haine, vous avez peut-être la rage, comme vous le dites, d'avoir vécu cette situation, d'avoir vu cette situation. Et alors que vous êtes pourtant appelé à être l'habitation du Seigneur en esprit, vous êtes devenu l'habitation de la colère et de la haine qui vient de la nature satanique. Et le Seigneur aujourd'hui veut vous purifier. Et le Seigneur aujourd'hui veut vous laver. Et le Seigneur aujourd'hui veut vous guérir par son amour. Parce qu'il vous aime d'un amour éternel. La Bible dit dans Colossiens au chapitre 2 et au verset 8. Faites attention que personne ne fasse de vous sa proie ou encore, dans d'autres traductions, ne vous prenne au piège. Par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes et sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur le Christ. Faites attention. Plusieurs personnes, je l'ai dit, ont été manipulées, sont devenues une proie, ont été pris au piège. Et peut-être vous avez été pris au piège par quelque chose que vous avez subi. Peut-être vous avez été pris au piège par quelque chose qu'on vous a fait. Peut-être vous avez été pris au piège suite à quelque chose que vous avez vécu ou à une déception et aujourd'hui qui a créé dans vos pensées, dans vos systèmes de pensée, dans vos raisonnements, une pensée qui est contraire à celle de Dieu. Alors j'aimerais prier aujourd'hui et que vous soyez vraiment libérés de ce joug qui pèse sur vous. Nous l'avons lu pour cette sœur, combien Dieu l'a touchée. Et comment elle a été guérie par la puissance de Dieu. Le Seigneur est disponible aujourd'hui par son esprit pour le faire dans votre vie. Et il va le faire par sa puissance et par son sang. Je sais que Dieu vous aime, je sais que Dieu est pour vous. Et je sais que Dieu veut vous aider à fermer cet accès parce que la Bible dit « ne donnez pas ». Ça veut dire qu'on donne ou on permet
à Satan d'entrer dans notre vie ou pas. Et de la même façon qu'on peut donner un accès, de la même façon on peut fermer l'accès, on peut fermer la porte. Je voudrais faire une prière maintenant, vous encourager à faire une prière. Premièrement, pour les personnes, vous avez ouvert de vous-même un accès à Satan. Ce n'est pas que vous avez été abusé, vous n'êtes pas innocent. Mais c'est vous qui avez fait quelque chose et cette chose a ouvert un accès. Peut-être vous avez et vous êtes vous-même le violeur ou l'abuseur. Peut-être vous êtes vous-même la personne qui s'est mise en colère d'une façon injustifiée, au contraire, à la parole de Dieu. Et vous avez ouvert un accès à Satan. Peut-être par le mensonge. Peut-être par toutes sortes de choses. Et aujourd'hui, vous voulez fermer cette porte. Je voudrais vous encourager là où vous êtes à fermer vos yeux. Et à dire après moi, en repentance, vraiment cette prière. Dieu, je te demande pardon sincèrement pour ce péché. Et vous pouvez le nommer là où vous êtes. Je te demande pardon d'avoir commis ce péché, cette action. Pardonne-moi. Aujourd'hui, je prends la décision de me repentir, de faire demi-tour à ce que j'ai fait. J'en ai honte, je le regrette et je l'abandonne. Et aujourd'hui, je ferme l'accès à Satan dans ma vie. Je ferme cette porte qui avait été ouverte par ma désobéissance, par mon péché, par le sang de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Satan n'a plus d'accès en moi. Je suis libéré, je suis purifié, je suis guéri en Jésus-Christ. Alléluia. Je veux prier pour vous, Père. Merci pour ta puissance. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus-Christ, maintenant, je déclare et j'ordonne à tout esprit impur qui aurait pu entrer en vous, maintenant, de vous quitter, de sortir de votre âme, de sortir de vous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare votre libération, votre délivrance totale par le Seigneur Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je voudrais maintenant prier également pour les personnes. Vous n'étiez pas coupable. Peut-être vous avez vu un accident de route, comme je l'ai dit. Vous avez été victime, vous étiez dans la voiture, peut-être quelqu'un est mort. Il conduisait la voiture et vous étiez à l'arrière ou à côté. Cette personne est morte. Et il est possible que même vous avez commencé à croire que c'était de votre faute. Il y a une personne. Vous avez eu ce genre de pensée et ça a ouvert un accès à Satan dans votre vie. Ou d'autres, vous avez subi des abus, qu'ils soient physiques, psychologiques, d'ordre spirituel. Et ça a fait tellement mal, ça a été tellement dur, que vous n'avez plus fait attention au fait d'ouvrir ou de fermer la porte. Vous avez laissé la porte ouverte. Et il y a des choses qui sont entrées. Et Père, je voudrais prier pour ces personnes. Tu es le Dieu de la délivrance. Et tu es le Dieu de la guérison. Père, ce frère, cette sœur, tu n'étais pas derrière ce qu'elle a vécu. Tu dis dans la parole que si on est attaqué, cela ne viendra pas de toi. De la même façon que tu as formé celui qui fait mal, tu n'as pas désiré qu'il fasse mal. De la même façon, tu as aussi formé l'arme pour le détruire. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, prenons maintenant toutes les armes que Dieu nous a données. Nous déclarons la délivrance et la guérison de toute blessure, de toute forme, de mutisme, de choses qui ont été créées, des maladies, des syndromes qui ont suivi ces choses dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare maintenant votre délivrance totale. Certaines personnes, il y a des manifestations maintenant même. Vous pouvez commencer à sentir que vous respirez plus fort et d'autres, vous pouvez peut-être même avoir une envie de vomir tout à coup. Quel que soit ce qui se passe,
Je déclare la puissance de Jésus-Christ sur vous pour vous libérer entièrement. Maintenant même, le Seigneur est en train de délivrer des hommes et des femmes. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Maintenant même, maintenant vous êtes libérés par la puissance de Dieu. En cet instant, en ce moment, le sang de Jésus-Christ est sur vous. L'ombre du Tout-Puissant est sur vous. Il vous couvre de ses ailes et la guérison maintenant germe dans votre cœur par le Saint-Esprit, par la puissance de Dieu. Vous êtes libérés. Vous êtes libérés. Il y a une femme, vous êtes libérés d'un esprit de folie maintenant. Vous êtes libérés maintenant dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous étiez là et vous aviez envie avec vos ongles de vous arracher la peau. Maintenant, vous êtes libres dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est terminé, c'est brisé dans le nom de Jésus-Christ. Vous qui avez été abusé par votre père, vous êtes maintenant libérés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Cette porte est fermée. Satan, tu n'as aucun pouvoir sur cette personne. Au nom de Jésus-Christ, je déclare qu'elle est libre. Maintenant, libre de la tête aux pieds par la puissance de Dieu. Toute personne qui aurait été déçue par Dieu, je déclare ta parole qui dit « Je t'aime d'un amour éternel et je te conserve ma bienveillance, je te conserve ma bonté. » Je déclare au nom de Jésus-Christ que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées pour vous, mais qu'elles se renouvellent chaque matin. Je proclame la vérité de la parole de Dieu. Oui, il a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit semblable à lui. » Voilà la volonté de Dieu. Il a dit qu'il voulait que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà la vérité. Voilà ce qui est vrai et juste. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et celui qui viendra à moi, je ne le rejetterai pas. Mais de lui, jaillira de son sein des fleuves d'eau vive. » Il dit « Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je vous la laisse, je vous la donne. Je ne donne pas comme le monde donne. Et je veux déclarer sur vous, mon frère, ma sœur, la puissance de Dieu, la paix de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu le fait en ce moment. Les portes sont fermées. Les portes sont réparées dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Les serrures maintenant fermées. Les clés se tournent. Tout est purifié par le sang. Et le sang de Jésus-Christ vous purifie maintenant de tout péché. Je le déclare. Marchez en nouveauté de vie. Marchez maintenant en plus que vainqueur. Levez les yeux vers le Seigneur et réjouissez-vous parce qu'il vous a libéré, parce qu'il vous aime et que son amour durera toujours. Je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. On va se retrouver demain dans Prière Inspirée. Et demain, on parlera de l'utilisation des téléphones portables.